Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour deux petites news. Donc la première, ce sera la console Pocket Go que je vous avais parlé, en forme de manette, style SF30 Pro, style manette Super NES. Voilà, qui est sortie. Alors elle est disponible chez Retro Mini. On va aller voir ça. À 59,99$. Donc la console est jolie, hein. Par contre, je pense pas la tester, parce que vous allez voir après. Mettre Little Pixel la tester, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, la console, vous la voyez. Style manette Super NES US, et la vente déjà aussi sur Amazon à 55€ au lieu de 73. Là donc chacun a son prix barré. Donc là c'est pareil, on a quelques photos du produit avec bien sûr le petit montage. Jouez quand vous voulez, où vous voulez. Donc s'adapte à la main, écran 3 pouces et demi, le petit prise de jack stéréo, le joystick en dessous du stick, enfin de la croix. Les boutons L2, L1, R1, R2. Voilà une console assez jolie esthétiquement. Qui est fournie sur le site Retro Mimi sans ROM. Là, je sais pas s'il y a des ROM. Dedans, on a quoi? Comme d'habitude, un GPU Mali 400. Voilà un quad-core 1,2 GHz. Un A33, un Allwinner. Batterie 2600 mAh. C'est un petit peu petit quand même. Alors, vous pourrez jouer, ils disent, avec les jeux Neo Geo Pocket, Game Boy, Game Boy Advance, ouais. Même PS1, PSP, DC, DC sur Dreamcast, vous pouvez oublier. Puisque voilà, j'ai regardé sur YouTube. Et vous allez voir la vidéo de Terra Prime, il a testé le son crashot pour la Dreamcast, la PSP, je sais pas s'il a testé, il a testé la Super Nintendo. Vous pouvez voir, ça a l'air assez sympathique. Mais voilà, d'après ses retours à lui, je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et il dit que c'est quand même un petit peu cheap au niveau des boutons. Le look est sympa, il aurait été plus sympa avec les boutons couleur Super Famicom, Super Nintendo européenne. Mais voilà, la console après c'est quand même 60€, donc s'il ne me l'envoie pas, je pense pas en acheter une pour les tester, hein. Ça apporte rien de plus que les autres consoles que j'ai déjà testées. J'ai déjà dit, il y a plein de modèles qui vont sortir, les Ambernic, le Droid Super avec l'écran 5,5 pouces. Donc voilà, moi perso, je ne recommande pas de la commander, de l'acheter. Mais sachez-le, la console est sortie à la vente. Et pour la commander pour 59€, à peu près 59$ quoi. Alors là, vous voyez, 59$ au lieu de 89, et sur AliExpress, c'est 54 au lieu de 75$. Moi, est-ce que j'avais mis les prix en euros peut-être? Oui, j'avais mis les prix en euros, voilà pourquoi il y a la différence entre les deux. Mais ça, vous précipitez pas, il y a plein de consoles qui vont sortir. Il y a la Revo, moi, qui m'intéresse plus. La Revo 401+, vous pouvez mettre des vrais jeux Game Boy Advance. Voilà, celle-là, en plus, le look, elle a l'air assez sympa. Il faut juste que je trouve une cartouche où on puisse mettre des ROM en fait. Dedans. L'autre nouvelle du jour que je vais vous parler, voilà, c'est la plus petite, c'est comme ça que l'auteur l'appelait, la plus petite console portable Nintendo 64 au monde. Puisque c'est G-Man Mods, donc il a un Twitter, une chaîne YouTube, un site internet. Et il a réalisé cette petite console. Une Nintendo 64 portable avec une vraie carte mère de Nintendo 64 à l'intérieur qu'il a coupée. Et vous voyez derrière la taille de la cartouche. Voilà, vous mettez la cartouche dans la console. Donc là, il y a un petit bout de la vidéo qu'il a faite. Bah, c'est pareil, je vous mettrai les liens, regardez, donc impression 3D. La cartouche est dedans, il peut jouer au jeu, hein. Il y a le stick, le bouton B, le bouton A. La taille à peu près d'un Raspberry Pi. Voilà, mais sans Raspberry Pi à l'intérieur. Vous avez la cartouche et le vrai jeu. Et cette personne n'en est pas sans coup d'essai, parce qu'il a déjà fait des mini-consoles. Voilà, vous voyez là. C'était celle-là. Donc celle-là aussi, il a fait une vidéo. Là, il a fait une Nintendo 64 portable. Dans un style de boîtier Game Boy SP, mais vous voyez, beaucoup plus large en dessous. Ça, c'est d'autres modèles qui a travaillé. Là, il a fait ce petit boîtier, là. Qui a l'air aussi sympa, quoi. Donc, sur son Instagram, on va vite aller jeter un coup d'œil. Voilà, là, vous avez les consoles. Celle qu'il a faite avant. Après, l'écran enfermable, c'est bien parce que... Voilà, voilà ce qui est pas de rayer l'écran. Mais dans la poche, ça prend plus de place. Imaginez l'épaisseur d'une cartouche N64, plus l'épaisseur de la console, plus l'épaisseur de l'écran. Il va falloir des grandes poches de pantalon. Là, on la voit en rouge transparente. Et ici, on voit un petit peu, vous voyez ce que vous pouvez faire en fait. Hop. La carte reliée à un écran. La petite carte à l'intérieur. Donc voilà, je vous mettrai le lien de son Instagram, mais c'est franchement sympa ce qu'il fait.
Et il a un site internet en postant, il parle pas de la dernière version qu'il a faite, et il parle de la N64 SP version 2. Celle qu'on a vue qui était dans un boîtier style Game Boy SP. Donc l'impression. Sacré travail. Et après vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc c'est un vrai bout de Nintendo 64 qui est dedans. Regardez, il y a le copier Nintendo dessus. Il a relié les fils, c'est un travail de minutie. Ça c'est une carte, j'ai vu qu'il pouvait commander la N64 3x3. Vous avez les cartouches ici, l'alimentation ici, et là sur l'écran vous avez le jeu. Là, je ne connais pas du tout cette carte. Et pour les gens qui sont bricoleurs, vous voyez, c'est un travail de dingue quoi. La 64 finie. D'ailleurs, on voit les différents câbles. Il y a vraiment des fils qui sont tout petits quoi. Il faut vraiment s'y connaître. Regardez ça. Ça me rappelle la Game Boy Desktop Deacon. Voilà la première Game Boy Raspberry Pi que j'avais testée, qui m'avait prêté. Où à l'intérieur, en fait, vous aviez des câbles de partout. C'était un sacré boulot. Regardez ça, normalement, c'est le bout de la carte mère. Voilà. Un bout de la carte mère avec le connecteur. Et la carte Super Mario 64. Donc ouais, n'hésitez pas à checker voilà, dans la description. Je vous mets les liens vers les vidéos, je ne mets pas les vidéos entières. Parce qu'ils font un travail, donc ils viennent eux aussi sur YouTube aller voir la vidéo de Medital Pixel pour la petite console portable. C'est pas pourri, mais c'est pas non plus le top. 59€, vous aimez la forme de la manette Super NES. Et allez voir après voilà, la mini N64 en version portable. Parce que là, franchement, le gars a fait un travail de fou, vous voyez derrière moi, quoi. Regardez. C'est un bout de vraie carte mère qu'il a mis dans un boîtier avec une autre carte pour contrôler. Et il a mis les sticks, alors bien sûr, il vend pas, hein, c'est un travail fait personnellement. Et voilà, c'est vraiment un travail de dingue, je trouve. Donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit peu si ça vous a plu. Et puis surtout, je vous dis, allez checker les liens dans la description. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!